Coucou mes amis, alors une petite confidence pour ce jour, un truc qui m'a énormément aidé dans la communication. C'est quand vous êtes dans une situation où une personne, ça peut être un enfant par exemple, qui laisse traîner ses chaussures ou qui laisse traîner son bol sur la table le matin ou un confrère comme ça qui a une attitude voilà, qui vous plaît pas, eh bien le plus souvent ce qu'on a tendance à faire c'est à lui dire mais en fait pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui est... laisse pas traîner ton bol, range, pourquoi tu laisses traîner tes chaussures ici? Eh bien moi je vous propose, et c'est ça tout le sens du truc qui m'a énormément aidé, c'est de communiquer sur l'intention que vous avez, sur le sujet, sur l'objectif que vous poursuivez. Par exemple, c'est pas du tout la même chose de lui dire arrête de laisser traîner ton bol le matin comme ça sur la table, et de lui dire tu sais, quand tu prends ton bol, que tu le mets dans le lave-vaisselle, je t'assure, ça fait pour moi une énorme différence. Et si tu ne sais pas laquelle, je peux t'expliquer en quoi. Tu sais, quand tu mets tes chaussures comme ça là, dans l'armoire, tu vois, et qu'on range le matin et que c'est beaucoup plus agréable, bah, tu sais, pour moi, ça fait une énorme différence. Et si tu n'as pas compris, je peux t'expliquer en quoi. Etc. Et donc, d'orienter votre communication le plus possible sur la solution. Ça, c'est une clé qui m'a énormément aidé. Petite confidence personnelle. Expérimentez ça pour cette journée ou pour demain, si tout dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Et puis d'ici là, je vous en prépare une autre pour une prochaine confidence. Merci. Ciao, ciao.